Si vous êtes gay masculin, demain, une fois que la loi de santé aura été votée, si vous voulez aller donner votre sang, il faut que vous arrêtiez d'avoir des relations sexuelles pendant 12 mois. Voilà. Cette loi de santé publique avec laquelle on se bat depuis plus d'un an, elle va avoir des avancées phénoménales. C'est une excellente loi. Par contre, communiquer sur cette histoire de dents du sang aux homosexuels, c'est une très mauvaise stratégie de communication. Il y a plein d'avancées. Aujourd'hui, on avance. Aujourd'hui, on est en 2015. On est en 2016. Il y a un mois, sont sortis les autotests vendus en pharmacie. C'est un nouvel outil pour inciter les gens à se dépister. Aujourd'hui, tous les scientifiques sont d'accord pour le dire, il existe un traitement préventif du VIH. Si on identifie les personnes qui sont à risque de transmission du VIH et qu'on les met sous traitement préventif du VIH, le risque de transmission passe à zéro. Là, Madame Touraine, bougez. Mais sur la question du don du sang aux homosexuels, le problème n'est pas réglé. Mais le problème, c'est un problème pas de discrimination, c'est un problème de sécurité.